Salut, salut, on se retrouve pour une nouvelle épreuve des Jeux Olympiques de jeuxvideo.com avec autour de moi des champions, des grands, des forts, parce qu'on commence avec la session des meilleurs, il faut le dire, au classement. Nous avons ici à ma gauche le cher Logan, qui est premier avec l'Angleterre, hein, qui joue l'Angleterre avec 9 points. Ex aequo, on va dire. Bah, premier oui, j'avais l'intention de le dire, mais c'est vrai. Ex aequo, point de suspension. Voilà, il est premier avec 9 points. Nous avons ici notre cher 87 avec la Russie, qui est premier avec 9 points. Nous avons Alex Aglixi, donc pas du tout. I play for you, exactement. Je note qu'on aura les mêmes vêtements pendant une semaine d'épreuve. Moi, je dis ça, je dis rien. Et parce qu'on enregistre tout le même jour, et alors voilà, qui est aussi premier avec 9 points. Vous êtes tous les trois ex aequo actuellement. Et Rivaol, qui représente le Kenya. Et qui n'a que 5 points pour le moment, mais qui peut monter. Je rappelle que c'est moi qui ai gagné l'épreuve du javelot, et donc je suis fort en lancer, et que vous allez voir sur le disque. Tu nous l'as prouvé pendant les entraînements. Attention, je simule très bien. Tu en as profité pour nous rappeler, donc, vu que tu as gagné 5 points sur cette épreuve, que tu as marqué 0 points sur les 3 autres. Exactement. Ouais. Je choisis mes épreuves. Tu choisis tes épreuves. On rappelle, le premier va avoir 5 points, le deuxième 3 points et le troisième un seul point. Mais de toute façon, là, c'est la première session parce qu'il reste les 4 autres joueurs à jouer par la suite. Donc, il va falloir qu'on note vos distances, vos amis. Vous avez tous droit à 3 essais. Ça, c'est le principe de base. Puisque bon, normalement c'est 6, mais on raccourcit un petit peu. Et on va pouvoir lancer dès que vous êtes prêts, les amis. On est prêts. Eh ben, on est prêts, je vais te dire. Ces gens sont prêts. Le frère jumeau de Logan. Il porte bien le spandex. Tu vas pas avoir le son du jeu. Voilà, alors c'est Logan, c'est Logan qui démarre. Ah, voilà. Allez. Il est parti. Alors il faut charger la barre et il faut appuyer au bon moment avec elle et le lâcher. Voilà, hop, quand il est en face. Oh, c'est bien. Non, c'est sorti. Oh, dommage de peu. Alors la faute. Ah, en fait, parce que ton cône est sorti. Il était hors du cône. Ah, ouais, merde. Il était hors du cône. Il faut que la flèche soit entre les deux barres blanches. Ce qui est vraiment pas évident. Du sol. Ouais, c'est tellement raté. Donc, premier essai raté pour Logan. Maintenant, on a notre cher 87. Ça sort aussi. Ça sort aussi. Mais c'est pas loin, à chaque fois, vous êtes pas mal. Pas mal. Je lâche trop tard. Il faut anticiper. Anticipation. Le détenteur du record du monde sur les essais. Il avait bien joué sur les essais, attention, il est parti. Est-ce qu'il anticipe? Il est pas mal placé. Ah, c'est sorti. Il a trop anticipé. Non, ça marche, lui. C'est de. Oh non! Mais si, mais c'est vraiment tapé. Dans le cône, en fait, le cône blanc. Ouais. Oh, la deuxième session, tu en es couvert par ça. Hop, hop, hop. La deuxième session se frotte les mains, tu m'étonnes? On a le Kenya, ce serait bien que je puisse noter un temps sur ma petite feuille. Noter un solo, noter un lancé. Attention, attention. Oh, il est dans le rouge. Oh, c'est dans le rouge. Oh, c'est dans le rouge. Oh là là, il est dans le rouge. La ligne rouge. La ligne. C'est pas le mec qui a pas compris, t'as très bien compris. Ton chargement, t'étais vraiment dans le rouge. On l'a dit et répété. C'était magnifique cet essai. Et ben voilà, premier essai, je pense qu'on a du haut niveau. Ça commence bien, j'avoue. Allez, on repart avec Logan, bien sûr. Deuxième essai, est-ce qu'il va réussir à marquer des points? Il va réussir à lancer dans le truc. Oh, ah, il est très bien, il est très bien. Oh, ça part. Ça part et ça va. Non. Oh oui, mais c'est très. Ouais, le disque, il y avait un peu de trop. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un peu de malchance. Un peu de bande d'or. Ouais. Au moins, on a un essai référent. Ouais, je vais le noter histoire de. T'as peut-être la médaille d'or avec ton 40. Oh là, 40-66, mon bon. Si tout le monde rate, tu peux marquer des points. Bon, allons-y. 49-66. À battre. Ça me semble pas super compliqué, je t'avoue. Attendons de voir en fait. Attention, ça charge. Ça charge. C'est parti, la puissance. Ah, c'est dehors. Tout petit peu. Et c'est limite parce qu'il était très très bien. Ah, ouais, c'est vrai. Pourtant, il connaît le principe de l'anticipation, je ne comprends pas. Oui. Et allez, la France qui avait fait un super truc aux essais et là qui était pas loin, du tout. C'est pas si évident que ça finalement. Tac. Oh oui, c'est dedans. Je pense que. Ah, si, c'est dedans. C'est dedans. C'est dedans. C'est dedans. C'est carrément mieux. On est après les 70 mètres, on doit être à 72 ou quelque chose comme ça. 71. Ah, 71, ouais. 71. Et il prend la tête. Bravo. Oui, très bien. Le cher Ayplay. Tu sais, pour la Réa, là, moi, après, voir des hommes musculeux lancer des disques, son deuxième essai. Ça me dérange pas. Hein. C'est pas mal. Et là tu peux être dans les points. Pas vraiment. Dans le rouge. Enfin, si tu vas dans le rouge, finalement. Est-ce qu'il est pas encore. Ah, il y a c'est dehors. Ah, j'ai pas si C'est presque dès que tu la vois partir, tu y vas et puis tu lâches. Dernier essai. Dernier essai, mon cher. Merci.
Il y a la pression. Tu as des points actuellement, mais ça reste ton dernier essai. Attention, voilà, ça charge. Le chargement de la barre, elle est dedans. Ouais, non, c'est pas haut. Mais pourquoi ton disque mais non. Tu fais ça, Logan, pourquoi tu envoies le disque? on t'a déjà expliqué. Alors, est-ce que tu améliores? En fait, je pense que ta flèche est très bien. Je pense que t'es trop faible au niveau de puissance. Non, 40. Mais non, mais il est. Non, c'est trop. Non, c'est en fait, je relâche beaucoup trop tard. Ouais, tu relâches trop tard. Ah ouais, d'accord. La réussi. Dernier essai pour le moment, t'as 0 points. Attention, oh, mais c'est chaud. Bon, c'est lamentable. Attention, ça charge. Le charge. Et paf, au spectateur. Oui, t'aurais pu. Faute. On a droit à 6 essais. Non. Bon luck. C'est fini. Tu es éliminé. Un peu rageux, le russe. Je rappelle que si tout le monde rate tout dans la troisième épreuve, tu es encore qualifié. Parce que pour moi, il y a deux personnes qui ont marqué des points. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de points. Il n'y aura pas de troisième. Pas mal de personnes. Attention, ça charge. Il est pas. On a fait un sur. Oh là 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 là. C'est un peu vertical. C'est un peu vertical, ouais. Oh, il a en dessous des 60. C'est vraiment à quelques secondes. Ah ouais, ça joue au hasard. Une demi-nano. Ça joue au hasard. On passe. Bon, 63-94, c'était pas mauvais. C'est pénible. Mais... Faut que ça ferme, moi. Et le Kenya. Si tu veux marquer des points, ça va être c'est maintenant, mon cher Yves, parce que là, c'est ton dernier essai. Là, j'ai la pression. Tu dépasses tout le monde. Attention, le chargement, ça va. C'est pas trop. C'est pas mal. Attention. Ça part où? C'est un peu vertical quand même. C'est très vertical. Ah non. En fait, t'es Mais au moins, tu marques des points, tu vas finir. Tu vas être deuxième. Là, tu viens de me battre. Tu vas être deuxième sur cette partie. Si, t'avais la ligne. 68. C'est quand même pas dégueu, ça. Non, c'est pas loin. C'est pas mal. Donc, nous avons pour le moment. Oui, c'est vrai, touchez pas, 68-27, ok. Voilà, donc là, c'est la fin, en tout cas, de cette première partie, on va dire, de la compétition. Au meilleur, nous avons I Play For You avec 71-17. C'est un peu navrant parce que normalement, t'as forcé J'avais les courses. J'avais fait le record du monde. Oui, voilà, il y a aussi, mais ta force, normalement, c'est les courses. Si tu commences à être bon sur les lancers, ça risque d'être pénible pour tout le monde. On a le Kenya qui a fait le deuxième meilleur temps de Rivaol, deuxième meilleur saut, mais de lancer, pardon, 68-27. Avec tout ce qui est sportif, toi, ça te... J'ai du mal, voilà. Et quand même, histoire de dire qu'il est là, qu'il était dans le coin, nous avons Logan qui est à 49-66. La vraie question, en train de savoir, où est la Russie? Quoi qu'il arrive, ne marquera pas. Non. 2 points sur cette épreuve. Eh bien, écoutez... C'est les lancers qu'il faudra battre. J'ai fait exprès. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'il faudra battre en tout cas pour la deuxième session. Et on va accueillir tout de suite les 4 autres joueurs. Et nous voilà pour la deuxième session de la finale du lancer du disque. On a vu quelques jolis scores dans la première, notamment le score à battre, c'est celui d'I Play For You, 71-17. Il l'a lancé plutôt loin. La deuxième place est à 68-27 et la troisième place est à 49 mètres. Donc, franchement, la troisième place est super jouable. On va présenter ceux qui vont tenter de battre ces scores. Nous avons à ma gauche notre cher Alvin qui représente toujours le Japon. Toujours. Et qui a actuellement 3 points sur le classement général. Nous avons Nagagasson qui représente toujours l'Allemagne et qui a 1 point au classement général. Oui. Nous avons l'Australie de Spider Django qui a toujours 8 points au classement général. Et pareil pour Silent Jay qui a toujours le même nombre de points que Spider Django. J'ai sorti mes lunettes, hein, moi personnellement. Du coup, c'est vrai. Voilà. Exactement. Parce que depuis le début, il ne voit rien sur l'écran. Depuis les 4 précédentes. Peut-être que ça changera quelque chose, peut-être pas. N'hésitez pas à. N'hésitez pas à regarder la finale du 100 mètres haies pour comprendre le problème. On va pouvoir attaquer tout de suite. Attention, c'est le Japon d'Alvin qui va partir. Ils se sont tous entraînés. Ils ont tous raté tous leurs tirs. Mais ça va partir. Attention, ça charge. Un seul tir. Et le lancer, hop. Alors. On a combien? Bien joué. T'as 3 essais. On a 3 essais. Chacun. Normalement, c'est 6. Je m'en fous. Allez, c'est parti. Avec l'Allemagne de Nagagasson, ça charge. Oh, le chargement est bon. Oh le tir. Oh là là, C'est à ça. C'est perdu. Bon, vas-y, lancez le boomerang. Allez, il y a des points à marquer. Pas prendre 2 points, je vais peut-être le dire. Vas-y, attention, c'est parti. Ça va lancer, ça tire. Oh, il est dedans. Oh, attention. C'est très vertical.
Bon, la question c'est, est-ce que t'as battu 49-66? Je crois pas, hein. Je crois vraiment que t'es à 48 ou un truc comme ça. Attention, est-ce qu'il prend la troisième? Mais non, 51. Oh, le salon. 51. Oh, l'enfoiré. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y aura des points dans cette session. Voilà, c'était juste une belle histoire de lunettes, c'est tout. J'ai pas eu le temps de voir le 51-70. Oui, c'est 70. C'est le quelque chose 51-70. Que voilà. Donc, tu prends la troisième. Pour le moment, tu as un point si ça continue comme ça. Tu as un point. Ça va se passer. Ah, ça surprend autant que nous, mais. Ah bah moi, ça me surprend. Allez, Silent J. Toi aussi, tu peux doubler Spider Django. Attention, lâchez. Oui, t'as pris. Je crois que t'es meilleur. Au moins, ça qualifie. T'es meilleur. Oh oui, t'es meilleur. Oh là là là. T'es meilleur. Chez toi, l'Australien. Attention. Ça va partir en truc. Comment ça va? C'était 61-0. Je sors, putain. Vous allez faire bouffer des caribous dans le monde. Tu ne passes pas à la deuxième place, mais tu es troisième actuellement. Alors? Meilleur troisième. Il est où le kangourou, là? Il est où le kangourou? Dans les fondements de ta personnalité. Oh! C'est dégueulasse, ça commence à partir en vrille totale. Bon. Il était avec ta... Pour le moment, ton premier essai, t'as pas réussi, Alvin. Mais tu peux revenir. T'as du mal que je joue sur le R2. Vas-y, attention. R2, et relâche. Oh, c'est dommage. T'as appuyé sur L2 R2 parce que chaque fois, ça fait... Oui, c'est juste que je le vois vraiment partir trop tard. Pauvre petit japonais. En fait, je me dis que ça me paraîtrait plus logique que le mec un coup, lui revienne à son compteur. N'oublie pas que tu peux regarder le truc en bas à droite. Tu vois le temps qu'il est fini pour le verrouillage. L'Allemagne. Allez, la Germanie. Hop. Oh, non, c'est dommage. C'est dehors de plus. Oh aussi. Non, moi c'est tellement bête. Je lâche pas. Qu'est-ce que c'est? Tu lâches plutôt. Je lâche pas. C'est tellement bête. Mais bon, ça, je te rappelle que tu as 0 points actuellement. Je sais, ça va. Speed et Django. Speed et Django, il va aller. Doucement, ça sert à rien. C'est vraiment péter la manette. Attention. Verrouillage. Oh, c'est dommage. Oh non, c'est dommage. Ah, t'étais dans le rouge. T'étais dans le rouge, je pense. Arbitrage, mais oui. T'étais dans le rouge. Quoi? Mais parce que quand t'as chargé, quand t'as tourné, trop de force. Ah, j'ai cassé la machine. Ouais, t'as tout pété, mec. C'est normal. Le Québécois. On va arriver à régler ça. Allez, vas-y. Non, ça. Allez, voilà. Pense à toutes ces longues soirées. Il est plus dedans. Non, mais ça tombe pas en fait. T'es plus dedans, hein? Oui, ça tombe pas. C'est toujours la troisième personne assez évasive, hein, dans ce genre de cas. Là. Incroyable. Sans déconner, ça tourne bon, pas. Bon, t'as toujours ton point, mec. J'avais pris le rond-point, ouais. Attention. Ça tourne pas. Attention, c'est parti. Pas, ça charge. Il est bon, son chargement. Non. Oui. Mais on s'est enclenché encore du Japon. Tous les sashimi étaient derrière toi et pourtant... Les sashimi. Ça sera pour une autre, hein. Si jamais, je précise, si jamais Nagakasson ne marque pas, ça veut dire que pour une fois... De Spider Django ou de Silent J, la tension est aura un comble. Aura un point. Nagla glaçon. Alors que vous étiez les fidèles à zéro. Oh le salon. Attention. Oh, ça va loin. Oh le salon. 61-04 à battre. 61-04 à battre. Et il fait 66. Troisième. Ya, Deutsche Qualität. Oui. Like a Bosch. Mais ouais, je pense la manette. Dutch voilà. Technology. Bah c'est ça maintenant, messieurs. 78, tu passes 3 secondes, tu es juste derrière. Je ne t'entends pas, le mur de Berlin. Écoutez, tout est respecté jusque-là, vous avez toujours 0 non, point. Non, ouais. Mais... Je n'ai pas le droit de marquer. Allez, attention. On avait... Vas-y, bats-toi. Attention, bientôt le verrouillage. Verrouillage, hop. Non, c'est ridicule. Mais oui, mais non. Mais si. Oh, c'est cool. Oh, je vais passer les 70. C'est nul. Oh, qu'est-ce que c'est nul. Oh. Mais non. Avec ce temps, tu risquais de passer devant Tout le monde. For You, au moins égalité. À égalité avec Play For You. Avec ce temps, avec ce lancer. Cette machine est trop lente pour moi. Vous avez compris que je suis dyslexique de toute façon. Mon cher Silent J. Je suis déjà dans le turf, il faut que j'arrête ce jeu. Allez. Tu t'es fait doubler il y a à peine quelques secondes. Tu peux récupérer un point. Mais non, il ne peut pas. Rester dans le ridicule du néant, du trou noir, du tréfonds. Mais quel salaud. De la honte. Toi, sur les prochaines épreuves. Allez, mec pas, attention. Sur le verrouillage. Allez, mec. Oh là là. Il est pour qui le point. Bravo. Mec, j'avais mis tellement d'espoir en toi.
Franchement, on avait tous de l'espoir en toi. Monsieur pourri la vente. Et c'est un échec, malheureusement. Voilà. Je suis en train de noter les points. Putain, la médaille en chocolat. Note le point gagné. Je suis en train de noter les points pour vérifier. Je l'ai pas déformé à cause de jeu. Mais le classement, en tout cas, sur cette finale, que vous ne voyez pas là tout de suite, mais ce qui s'est passé sur cette finale, c'est que I play for you, qui est en dehors de l'écran, hein, je le montre alors qu'il est là-bas. I play for you a marqué 5 points en lançant à 71 mètres 17. Et il a fini donc premier. Ici, nous avons, avec 3 points, parce qu'il a fini deuxième, notre cher rival, médaille d'argent. Médaille d'argent, notre cher rival, hors champ, hein, bien sûr, 68-27. Et... Oh, je suis juste derrière rival. Oh, mais oui, ah, tu as mis 66-10. Dommage. Et tu as un point. Mais oui, un point. J'en ai maintenant 2. Ce qui fait qu'au classement général, hey, Play For You s'envole avec 14 points. 14. Maintenant. Exactement, ça permet à notre cher Rival de marquer, de revenir à 8 points, mais il est toujours derrière les deux 9e, les deux qui ont un point, qui avaient, pardon, 9 points. J'ai rien sous les yeux, moi. Les gens ont un casse-moi, moi j'ai rien. Voilà, qui sont à 9 points, donc tu passes pas devant, mais c'est plutôt pas mal. Toi, tu as toujours tes 3 points, malheureusement. Je pense remontager avec chez moi, hein, je pense. Ouais, voilà, malheureusement. Mais toi, tu passes à 2 points. Et oui, j'ai 2 points. Ouais, tu passes à 2 points, content, c'est pas mal. Je suis content. Et quand même. Mieux que les deux là-bas qui. Bon. Parce qu'il faut, quelque chose pour fidéliser les gens, pour qu'ils s'habituent un petit peu à nos têtes. Voilà, il faut personnaliser. Tu sais ce que c'est la fistinière, juste. Des menaces. Tu vas la sentir, la menace. Il me semble que la fistinière a fermé, il serait temps d'arrêter les vannes dessus. Voilà, c'est clair. C'est clair. Info comme ça. Ah bah si tu sais. Donc bien sûr, 0 points et 0 points pour nos chers. Mais là franchement, on y a cru jusqu'au bout. On était à quasi rien. Imaginez que c'était peut-être l'épreuve sur laquelle vous étiez les meilleurs. Non, je ne crois pas. Mais franchement, ça ne joue pas grand chose. Et moi, j'y crois. Ça va être un petit peu le fil rouge. Mec, ça va être le fil rouge. On va finir premier. De quoi, je sais pas, mais on peut premier. Ça me semble super mal barré quand même. Finir premier tous les deux. Mais en tout cas, on y croit. Premier et dernier peut-être. On espère que ça va passer. La prochaine épreuve, les amis, sera le triple saut. Alors attention, c'est une épreuve technique. C'est une épreuve technique et je sais que l'un des favoris au triple saut s'appelle Rival. Je vous le dis comme ça, Rival, qui pour le moment est quatrième du classement, pourrait bien remonter assez loin, on va dire, et au moins taper le deuxième et le troisième. C'est possible, mais peut-être que vous allez nous surprendre, peut-être que vous allez marquer des points. J'espère bien. On l'espère. J'ai encore bon espoir. Merci d'avoir suivi ces compétitions. N'hésitez pas à regarder les autres compétitions. Il s'est passé des trucs assez marrants, notamment dans la finale du centimètre haie. Du centimètre haie. Et 11 centimètres. Remarque, centimètre. Ça ressemblait à ça. Et on se quitte. À la prochaine fois pour le triple saut. Ciao. Dites au revoir aux gens. Salut.